je suis Lux Keuten, architecte, et j'ai dessiné cette vue de Pudong à Shanghai dans l'idée que les villes que l'on dessine, que les architectes, que les peintres dessinent généralement, ou les photographes, sont toujours des arrêts sur image. Et en deux dimensions, la ville, en fait, a eu un passé, un présent, elle aura un futur. Et essayer de représenter la ville dans ces quatre dimensions est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Parce que si on veut la comprendre, c'est cette quatrième dimension qui est primordiale. Aussi ai-je pensé mettre ce curseur en dessous qui indique les dates à laquelle la partie du panorama a été réalisée et dont elle a été dont la vision est de l'évolution de la ville existe. La ville a une couleur fort jaune parce que c'est la réalité que l'on peut voir là, surtout quand la ville est fort polluée actuellement. Il y a un brouillard jaune qui enveloppe l'ensemble de la ville et le fleuve jaune est réellement jaune. Quand on évolue dans le temps, les couleurs changent, sont beaucoup plus lumineuses parce que l'air devient plus pur et que l'ensemble des matériaux que l'on utilise et les processus sont bien plus respectueux de la nature. J'ai imaginé que, au fur et à mesure que l'on avance dans le temps, on choisisse des solutions qui soient durables, qui soient écologiques, et que les nouveaux modes de vie intègrent le vivant en tant que matériau de construction.